Le film Shazam reste toujours un grand mystère. En dehors de sa supposée date de sortie, on ne sait pas grand chose. Cependant, des extraits audio ont fuité quelques heures sur le site de Warner et ils nous permettent d'avoir une idée du grand méchant. Contrairement à ce qui était prévu à l'origine, Black Adam, joué par Dwayne Johnson, ne sera pas présent puisqu'il aura le droit à son propre film solo. Du coup, jusqu'à présent, on pouvait se demander qui affronterait Shazam. On a maintenant une réponse qui, je précise, n'a pas été confirmée par le studio. Il semblerait que le grand méchant du film soit les 7 péchés capitaux. Une pas si mauvaise idée quand on y réfléchit puisque ces personnages n'ont quasiment jamais été abordés en dehors des comics. Ça permettrait de les faire découvrir au grand public. Surtout que dans les comics, d'une certaine manière, ils sont engagés par Black Adam pour combattre Shazam. Ça pourrait être un bon moyen de faire le lien entre les deux films. Bref, c'est bien beau tout ça, mais qui sont-ils? Les 7 péchés capitaux sont donc 7, oui oui je vous jure. Ils sont enfermés dans le rocher de l'éternité jusqu'au jour où ce dernier est détruit, ce qui les libère. Et comme le nom l'indique, ils sont la représentation des 7 péchés capitaux, c'est-à-dire la colère, l'envie, la gourmandise, l'avarice, la luxure ou encore l'orgueil et la paresse. Ils sont finalement très peu connus en dehors des fans de Shazam, mais j'approuve totalement l'idée si elle s'avérait validée. J'avoue pas avoir trouvé trop d'informations à leur sujet malheureusement. Surtout qu'il y a de fortes chances pour que le film les aborde d'une manière complètement différente. Bon en tout cas, qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. C'était Mathéo, ciao tout le monde.